Bonjour, est-ce que je peux commander un taxi à Avenue de Nice, s'il vous plaît? Ah oui, madame, j'arrive dans 10 minutes. À tout de suite. À tout de suite! Bonjour. Attendez, madame, je vais vous avoir aidé avec la portière. Oh, merci beaucoup. Pardon, mais est-ce que vous allez accoucher bientôt? Oh non, les mois prochains. D'accord. En tout cas, n'ayez aucune crainte. Je n'accoucherai pas dans votre voiture. Ah, bien sûr. C'est quoi votre destination? Dergale 24 bis, s'il vous plaît. Voilà, on est arrivé maintenant. Oh, est-ce que vous pouvez attendre un instant, s'il vous plaît, monsieur? Oui, bien sûr, madame, avec plaisir. Merci beaucoup. Elle a dû partir en voyage. Mais mes voisins ne sont pas là. Comment je vais faire pour vous payer? Et où irai-je avec mon enfant? Je ne connais personne ici. Ah oui. Je ne vais pas vous laisser dans cette situation, pauvre femme. Je vous avec chez moi cette nuit, en attendant pour le retour de votre sœur. Ma femme sera ravie, et puis les trois enfants seront contents d'avoir de la visite. C'est petit chez nous, mais il y a toujours de la place pour les gens de bien. Oh, mais messieurs, vous êtes très bons. Mais non, jamais je n'oserais vous déranger. Et puis votre femme ne comprendrait pas. Ma femme est merveilleuse. Elle m'a donné trois beaux enfants, dont une fille et deux garçons. En plus, elle m'a donné beaucoup de bonheur. Oh. Ma femme est très bonne. Ouais. J'accepte votre proposition, monsieur. Alors, on peut sortir et rentrer chez vous, chez moi. Oui, merci. Bonjour, ma chérie. Je m'appelle Charlotte. Enchantée. Vous êtes censée. Venez vous asseoir là. Oh oui, merci. Voilà. C'est mieux ça. Oh oui. Est-ce que vous voulez quelque chose à boire? Oui, ça serait parfait avec un verre de vous, s'il vous Ah plaît. oui, bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez des conseils peut-être? Oh, non, pas des conseils. Je me demande comment je vais appeler mon enfant. Ah oui. Mais attendez, j'ai une livre qui est parfaite pour ça. Oh oui? Voilà. Oui, regardez. Michael? Oui, c'est bon. Ah, c'est un garçon. Oui. Ah. Non, mais Robert, j'aime oui. Robert. Oui, Robert, c'est plus français, je trouve. Mmh, moi aussi. Mais vous allez accoucher quand? Le mois prochain. Le mois prochain? Oui. C'est bientôt. Oui. Je suis vraiment stressée. Bah oui, je comprends, mais vous inquiétez pas, ça va aller parfait. Oh, j'espère. Ouais. Ouf, je suis vraiment fatiguée. Je crois que je vais aller me coucher. Bah oui, nous aussi, je pense. Bonne nuit tout le monde! Bonne nuit! Oh, madame, vous êtes déjà au bout? Bonjour. Si vous voulez, je pourrais vous déposer chez votre sœur. Elle doit s'inquiéter peut-être. Chez ma sœur? Mais quelle sœur? Je n'ai pas de sœur, tu le sais bien. Et ici, je suis chez moi. Et cet enfant que je porte, c'est le tien. Cécile, viens là. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Nous sommes trop beaux, je l'ai toujours dit. Elle veut nous avoir, cette femme. C'est incroyable. Elle prétend qu'elle est chez elle et que je suis le père de son enfant. Elle est folle, de toute façon. Moi, je ne discute pas avec elle. En tout cas, j'ai confiance en la justice de mon pays. Pour cette raison, j'appelle la police. Tu dis maintenant, je peux le faire. Ton nom est une grande séducteur. Tu vois, c'est passé à mort, c'est une cadeau de mois dernier. Et ces colliers de corail, c'est le jour où j'ai accepté à me donner à lui. C'est curieux. Nous avons le même foulard. Quelle indéclatesse de sa part. Non mais tais-toi, je n'ai rien à te dire. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, je ne veux que faire d'analyse. Elle ne prouvera pas grand-chose, moi je pense, mais voilà, c'est une formalité. D'accord. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Oui, j'ai quelque chose à vous dire. Monsieur, vous êtes stérile et vous avez toujours été stérile. Du coup, tu ne veux pas être le père de cet enfant à venir. Oh non! Je suis stérile! Qu'est-ce que je vais faire? Mes rêves ne sont pas réalisés! Cécile, j'ai quelque chose à te dire. Je suis stérile et tu m'as trompé. Non, non, chérie, c'est pas comme ça. Écoute-moi, je t'aime. Je n'étais pas trompée, mais j'ai fait ça pour que prouver